Attendez, j'arrive alors que je me fais exploser. Attendez, je m'équipe. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne sais même plus ce que je faisais. Ah oui, il fallait sauver les otages. Coucou Nash. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'il me fasse pas de cadeau d'entrée de jeu. La violence. Oh la vache. Matin violence. Faut que je modifie mon approche. Toute l'Afrique là. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu! Le navire est où? Au secours! Ça m'a catapulté! Waouh! Oui, ça commence très bien. Mon premier saut en parachute, mais sans le parachute. Ah, le navire est là-bas. Bon bah. Adieu! C'est la première fois que ce bug m'arrive! Oui, c'est de mon matin, oui, ça commence très bien. C'est incroyable, c'est la première fois que... Mais et puis c'était où? J'ai eu une durée de vol... Waouh! J'ai eu une durée de vol absolument folle. C'est beau en même temps, parce qu'on peut deviner un peu la mécanique du moteur de jeu, comment il fonctionne, au niveau du chargement des régions. On a vu le quadrillage. Ah, mais ça recommence! C'est extraordinaire! Ah, il faut que je la garde, la sauvegarde là! Parce qu'en même temps, ça permet de faire une démonstration technique. Putain, c'est dingue! Est-ce que je peux les sniper alors que je suis en chute libre? Non, j'ai pas le droit. Ah! Oh! Le mec très décontracté! Boum. Ah oui! Oui! Attaque aérienne! Ouais! Ah! Oh! Eh ben, je suis pas mort du coup. Putain, c'est fou. C'est incroyable. Merde. Alors, attends. Parce que là, j'ai fait une sauvegarde rapide par erreur. J'aurais peut-être pas dû. Parce que je me paume dans mes touches. Je voulais me soigner. Ouais, pas cool. Mais incroyable. Putain, c'est dingue ça. C'est dingue. Ouais, si, je vais la retenter. C'est tellement troublant que... Allez, une petite troisième fois. C'est... Waouh. Moi, j'arrive pas à la voir. Donc là, ça me retourne le bateau, je suis dans les airs. Je lance la grenade, ça permet de m'éjecter. Incroyable. Ah
Attends, ou un point blanc sur la flotte, c'est quoi? Ah, c'est le reflet du soleil. D'accord, par rapport à la physique du jeu. Ok. Ouais, j'ai peut-être intérêt d'atteindre la baie par là-bas. Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà, et là, là je sauvegarde parce que... Voilà. Ce sera mieux ainsi. Voilà. Incroyable. Départ tonitruant. Ah, je suis content d'avoir mon snipe avec 30 balles. Ça me laisse en zone de confort. Donc, faut que je libère des otages. Dans Far Cry 2 qui se la joue Rainbow Six. J'ai peut-être moins cher. Je vais les faire quand ce contrat sera terminé. Guide pour les safaris. Tu connais rien en animaux. Ah, j'ai un pote qui fait ça. Il dit qu'il s'est tapé toutes les femmes qui sont venues en vacances, mariées ou pas, même celles qui venaient en lune de miel. Par rapport à tous ces animaux qui sont autour, ça réveille la sexualité des plats des femmes. Et là, tu connais en histoire naturelle, ton pote. Oh, les dialogues. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de... Oh merde, j'ai tiré dans son dos, donc j'ai merdé là. Ah, alors le dialogue là non plus, je le connaissais pas. Très fort Far Cry 2 ce matin. Très très fort. Incroyable. Pourquoi j'en ai un et pas deux? Attends, j'ai pas compris là. Ou alors il faudrait que je tire la grenade. Je sais pas, bizarre. Ouais, même moi je me fais avoir, tant que c'est violent. Il y a quand même un rayon d'action de la grenade, ça pète bien. Bien trucidé. Vache, ils sont nombreux. Hein. Alors je rappelle que je suis à la fin du jeu, donc c'est la difficulté max. Ma tête est mise à prix, mais alors un truc de fou. Ah bah, j'allais dire. Bah déjà la fin. Je suis à... Tu sais, j'ai quasiment fait toutes les missions annexes possibles. Et je suis à 60% du scénario, donc... je pense qu'il me reste 10 heures de jeu cumulées, je pense, pas plus. Ça va vite... Ça va vite passer. Dégage, dégage.
du coup c'est le bordel. Mais oh merde. Alors là il... oui je suis dans la dernière carte ouais qui... Est-ce que c'est le sud? Oui je crois que t'as raison Nashemman. Ouais ouais. Bah je suis dans la carte où il y a le final, tu sais, avec la prison et il va y avoir la grande rencontre avec le chacal. Voilà. Merde, ils arrivent. Les rumeurs tournent sur son identité. Ah oui, oui, bah oui. D'ailleurs, j'avais fait la remarque à Dragon Sky qui joue au 3 en ce moment. Et il est passé à côté d'un hommage du 2 dans le 3ème opus. C'est vraiment dans un village, il y a une femme qui semble complètement tarée. Mais quand tu prends le temps de l'écouter, elle te donne son passif avec le chacal. Et c'est pour ça qu'elle est traumatisée. Et l'hommage, excellent. T'as entendu? Tu vois quelque chose? Dégage, dégage! À terre, à terre! Va ici, O'Donnell! Va arrêter ça! Tu vas mourir! C'est con! On peut rien perdre ici! Et Moiselle? Non, non, mais. Oh la collision de chiottes! Merde. Ah, la portée. Oui, tu peux me parler de la rumeur. Oui, vas-y, t'as mon feu vert, largement. Un tir de sniper. Merde! Ah bah tiens, j'en ai quand même, j'aime bien ça. On peut pas l'arrêter? Je vais le contourner jusqu'à la fin. Bon, allez, je vais passer à l'étage, ça leur fera les pattes. Ah, explosif, mais attends, explosif même pour ça? Ça me plairait. Est-ce que je peux faire ça? Magnifique! Très efficace. En fait, je pourrais, mais ça n'a jamais été prouvé que le chacal. Cela aurait été Jack Carver du premier Far Cry. Oui, j'avais entendu cette théorie. Mais. Non, c'est peu probable. De ce que je connais des deux Far Cry, des deux premiers. Je trouve qu'au niveau caractère, ça colle pas. Ah, j'avais vu juste. J'avais vu juste. Alors du coup, je vais sauvegarder parce que là, j'ai un jackpot très intéressant. Encore ? Putain, mais ils sont combien? Je vais même d'ailleurs. Il y a encore du monde. Ah, j'ai fait un carnage. Regardez-moi ce foutoir. Attends, il y en a un qui survit, mais je sais pas où il est. Mais regardez-moi ce carnage. Oh, c'est fou.
Il est où le mec qui essaie de survivre, qui m'a tiré dessus? Je sais pas. Ibi. Bon, évidemment, j'aurai le message buggé de j'ai quitté la zone de cessez-le-feu tout le temps maintenant. C'est vraiment un bug débile. Alors, attendez. Trousse de soins. Autant que je me soigne, si c'est offert par la maison. Mais mon but, c'était de sauver les otages, non? Ah! La bonne blague! Je suis pas dans la bonne baraque! J'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, y a personne à l'étage. Bon, bah heureusement que les mercenaires sont pas dit on va buter les otages en représailles. Ah, c'est cette casse-bas là. D'accord. Alors qu'on entend tourner au loin un moteur d'un navire. J'ai rien à faire ici. Oh l'autre. Change vite de discours. Et change vite de discours. De discours. On se connaît. Merci. À moins que tu viennes pour te frotter à moi, mais fais gaffe, je fais du kung fu. Je plaisante, je m'appelle Marty, et je vais foutre le camp d'ici. Tu devrais foutre le camp, toi aussi. D'autres gardes vont arriver. Bon, bah, monsieur kung fu, prenez la fuite. Heureux d'avoir réussi ma mission. Ouais, je suis libre de... Oui, tu vois, Nash, il me reste plus que la capitale. J'ai même plus le bar de mercenaires, j'ai plus de tour, de tout ce que tu veux, j'ai le son de la carte et c'est tout. Terminé. Tu vois, c'est... Et quand je vais dans la sauvegarde, il me dit que je suis à 68% de je sais plus quoi, là, de scénario, donc... J'y joue aujourd'hui, et puis j'y joue encore le week-end prochain, et à mon avis, Far Cry 2, il est torché. Mais ça aurait été un pied incommensurable. Ça aurait été la troisième fois que je torche le jeu. C'est vous dire à quel point je l'aime. J'adore. L'ambiance, elle est trop bien. Bon, bah, on peut dire littéralement que mon embarcation précédente, la chaloupe, s'est volatilisée. Poétiquement, là, on peut dire que le navire est parti dans les nuages. C'est beau. Oh là 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 là. Je me barre du quai. Il faut croire que j'aille en face. Ah mon dieu. C'est le voyage, c'est le boxon, c'est le bonheur. La 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 la. Alors ce soir, sur qui tu continues ton Zelda? Pas que je vienne te voir. Enfin, en espérant que je finisse pas trop tard. Parce que j'avoue que ce week-end, je suis déchaîné. C'est vrai. On a un gros besoin de défouloir. En même temps, je suis content. Je suis content. Vous êtes arrivé à quai. Enfin, si j'arrive à sauter. Les escaliers sont où? Ils sont à l'opposé. Ok. Ah voilà, ils étaient dissimulés par les caisses.
C'est une Jeep offerte par la maison. Alors tu dis oui, je vais aller à la rencontre du troisième peuple, que sont les Guerreros. Les petits Guerreros. Le jeu est vraiment trop bien, je prends vraiment plaisir à le faire et j'ai très hâte de commencer sa suite. Ah, bien. Bon, j'ai le choix entre les deux camps. Il y a un cessez-le-feu dans cette zone, alors tu déconnes pas. Je déconne pas, oui c'est un gros calibre, oui c'est le meilleur des fusils de snipe, mais je déconne bien. Pas. Ah bien, on te confie le matos. Alors anecdote, je suis à peine à la moitié du jeu, j'ai dépassé 50 heures de jeu. Ouais c'est dingue hein. Mais c'est bien, c'est des jeux là que j'aime bien avec un max de contenu. C'est cool. Il fait que tu sois enthousiaste, que tu t'es plaisir à jouer, y a pas mieux. C'est très très bien. Pour être super, le Bastion aille se faire foutre. C'est dommage d'être abandonné comme ça. Personne t'a rien demandé. Il y a assez d'hommes dans le pays qui veulent travailler avec moi. Ils ont besoin d'argent. Ils sont beaux les bouquins. Pour moi. Tant que tu peux aller, je sais que t'as du boulot. C'est vrai, ces civils nous posent problème. Nous allons les contrôler un peu mieux. J'aime pas la tournure que ça prend. La situation. C'est original. Bonjour messieurs. Ça va, tranquille. Oh là là. En peau de bête. Ah, ils ont des mousses, ils ont des alcools, ça va, tranquille. Attends, les photos, faut se méfier. Méfions-nous des photos. Bon, je peux pas me mettre en face parce que j'ai les sacs de riz à la Kouchner qui me bouffe là. Mais... il peut y avoir des trucs. L'autre est encore plus long. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a très peu de musique. Ça renforce l'immersion et la beauté des jeux et ses environnements. Ah ah! L'UFLL a du travail. Tu sais te battre, je veux te voir te battre pour Adi Mbambi. Comme t'es encore malade, j'ai pas de temps à perdre avec toi. La malaria devient incontrôlable. Et il se trouve que la PR vient de mettre la main sur un remède. Une plante qui pousse par ici. De l'armoise, un produit très puissant. Nos médecins savent parfaitement comment l'utiliser. Bref, comme je le disais, la PR a trouvé un moyen de sécher la plante pour en faire un médicament. Ils utilisent des fours, ceux du village d'Ogon des Falaises. Ce qu'on voudrait, c'est que tu pètes les fours. Comme ça, personne n'aura de médicament. C'est la faute de Tambosa, avec son égoïsme et son favoritisme. Si l'APR veut savoir où sont passés les médicaments, ils n'ont qu'à regarder leur leader. Des pierres, non taillées. Que ce soit clair, détruis les fours dans les habitations d'Ogon des Falaises. Oh la vache! C'est tuer ou être tué. Tu choisis de quel côté tu veux rester. L'endroit est terrible. Très beau, hein. Souvenez-vous, les maisons en planquées dans la montagne. Oh là là, avec le mec qui tire au mortier. Enfin bref, c'est la... Oh la vache. Eh ben, il faut falloir que j'y aille en bus, pardi, ouais, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Auquel je pense qu'il soit capable de réussir un coup pareil. Retrouve-moi au delta de la rivière d'Ogon. Dans le delta? Bon bah, si elle dit delta, ça veut dire bateau. Aïe aïe aïe. Ah,
Ya. Mais attends, je suis pas au bon endroit, moi. Ah merde, je voulais retrouver le quai avec... Non, je me suis gouré de route. Oh là 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 là, le mec qui sait pas conduire. Il faut vraiment que je garde la carte à la main, là. Oh, Crotum. C'était la route là que j'aurais dû emprunter. Ah bah m'aide alors. Ah, je retrouve un joli chalutier. Qui est pas qui, mon kiki? Non, bâbord tout, j'ai envie de dire. Encore que, je suis pas sûr de mon coup. Ah non, ça fait bien le tour, ouais, c'est pas grave. J'ai le choix de la direction. Alors, je vais essayer de me contenter du GPS pour la navigation. C'est pas forcément de la tarte. Et il y a un truc, pardon, je suis en train de penser à la technique, le chat. Il faudra que j'essaye peut-être ce soir. Bah, je le ferai peut-être avec toi, Nash. Du coup, ça me permet de te prévenir si tu remarques des trucs bizarres dans les textes que je vais t'envoyer sur ton chat. Je vais peut-être faire comme ça. J'ai envie de tester, tu sais, sous Windows, la reconnaissance vocale. Et de voir si je peux parler et valider mon message sans toucher mon clavier. Dans le chat de Kik, par exemple. Donc si tu vois qu'il y a des mots qui sont étranges, tu t'inquiéteras pas. C'est une petite expérience auquel j'ai envie de me prêter. Méfie-toi, si ça marche, je vais devenir bavard. Je le suis déjà au clavier. Non, mais ce sera l'occasion de faire un test. C'est ça, tu pourras te dire que c'est pas à cause de la mousse, exactement. Elle était bonne, hein, la mousse. Oh là là, j'aime bien avoir mon habitude du, dans votre compagnie de la mousse fruitée du samedi, là. Mmh. Ouh la vache. Ma voie de navigation qui est un poil étroite. J'ai failli ne pas passer avec l'embarcation. Oh là 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 là. C'est superbement dessiné, hein. Merde, ouais, non, j'aurais dû prendre à bâbord, c'est-à-dire à gauche. Dans sauvegarde, parce que ça se passe bien pour le moment, mais je suis pas à l'abri d'avoir des comités d'accueil le long du fleuve. Ah, il y a quelques années, j'ai été tenté de passer le concours, enfin le concours. L'examen de capitainerie navigation fluviale sur les eaux françaises. Bah, j'entends un mec qui meurt. Ah, il y a du diamant. Attendez. Ah oui, je suis en direction de là où il y a du diamant. Il n'y a personne d'autre. J'ai oublié le mec qui est au feu. Ah, bonjour David Olive. Ouais, et suite des aventures de 1677. Écoute, tu serais venu les 5 premières minutes, j'ai eu un bug magnifique. J'ai un tir de mortier qui a atterri sur ma chaloupe et ça m'a propulsé dans les nuages.
On a vu toute l'Afrique de en parachute, c'était superbe. Mais je le clipperai parce que c'est. En plus, c'est. Il y a une forme de poésie dans le bug. Que j'aime beaucoup. À part ça, j'espère que tu vas bien, David Olive. Vache. Attends, ça veut dire que j'ai pas dépensé mes diamants? J'en ai 98 sur moi, c'est une fortune. Ubisoft, faut pas chercher, mort de rire. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était beau, franchement. Le bug était... Valait le coup d'œil. Ah, alors, suite. Oh non, mais non! Mais la voie de navigation est trop étroite. Mon embarcation elle est trop grosse, alors du coup ça passe plus. Là je suis en train de racler le fond. Le lit de la rivière qui est en train de se faire déboîter par mes soins. Oh non! Au secours! C'est trop mou. Bonjour Christella. Oui, il n'y a plus de PlayStation. Pour quelques jours. Parce que je suis en train de les dépoussiérer et de les délocaliser dans ma pièce. Si tu veux, j'en fais mon câblage, Christella, d'une certaine manière. J'ai pas encore mis en place l'alimentation. Les câbles vidéo, c'est bon, mais pas les alimentations. Donc ça reviendra dans le week-end suivant ou dans 15 jours. Et je vous confesserai que je sais pas encore comment je vais faire. Moi, c'était à la fin de Far Cry 3, un 4x4 ennemi qui se prenait pour une foreuse. Oh vache! Alors j'aurais bien aimé voir le bug, David Olive. Un 4x4 qui se prend pour une foreuse? Waouh! Ah! Il y a encore de la thunasse dans le coin. Mais tout proche en plus. Ah! Le truc est là-bas. Ah non, merde. C'est un truc d'escalade. C'est un truc d'escalade, mais... Est-ce que je peux monter sur mon... Non, je peux pas escalader mon propre chalutier. Ah si. Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. Je peux escalader mon propre... navire. Ça va peut-être m'aider à atteindre des endroits insoupçonnés. Attendez voir que j'essaye. Attends, je vais me coller à la... aux parois, au récif. Minute papillon. Essayons d'être astucieux. Ah la vache, oui, il y a un truc là. Oh bah la vache, il y a un cadavre. Est-ce que je peux déjà aller sur la planche? Ouais. Oh non, mais c'est encore trop. Non, ça va pas, je vais me casser la figure. Attends, où est le mec? Ah, merdoum, je fais comment? Comment on arrive à cet endroit? C'est fou quand même. Que si je fais ça, ça va pas marcher. Mais non, mais non, je tombe dans la flotte forcément. Ah merde, j'ai jamais compris. C'est-à-dire que c'est un chemin qui vient par derrière, mais c'est bon, tant pis. On abandonne parce que là c'est. Je sens que je vais me prendre la tête pour pas grand chose. Aïe, 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 aïe. Allez, repars, repars, repars. Merci. Tant pis pour cette mallette au trésor. Ça aurait pu être. C'est pas forcément du diamant d'ailleurs, ça peut être une cassette du chacal. Oh merde, je les ai excités sur le quai opposé. Oh là là, oh là là. Aïe, ils sont en train d'essayer de m'allumer, les salopards. Ne me dites pas qu'ils prennent une embarcation. J'aimerais ne pas avoir de poursuivants, merci.
Kiba dans Naruto Gatsuga. Ne me dis pas que j'ai besoin d'entendre une motorisation. Ah merde, oui, mais ils me suivent. Salopard. Non mais dis donc toi. On va mourir. Un vrai cortège là. Hallucinant. Bon bref. La miss, elle est où déjà? Ah, elle est pas très loin. Elle est pas très loin, la miss. Je vais peut-être accoster là. Ce sera peut-être pas plus mal. Je suis plus très loin en fait. Hop là! Merde, la malaria qui... Ah. Attention, patrouille. Ah, c'est l'horrible malaria qui me bouffe. Ouais, derrière la forma... Voilà, ça c'est fait. Comme un professionnel. Deux balles, deux morts. Précision 100%. Voilà, ma copine, elle est là. Enfin, ma copine, je suis vachement familier. C'est ma partenaire de en mercenariat, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'elle a à me proposer comme mission? Ah, ma couleur favorite, la couleur rouge. Kabao. Alors, est-ce qu'elle a la tremblotte? Salut. Alors, t'es sûr? T'es sûr? Tant mieux pour... T'es sûr? Tant mieux pour toi. J'ai trouvé un moyen de frapper là où ça fait mal. Il y a un avant-poste au bout de la rue. Les prostituées y travaillent. Il y a un homme, un régulier. Il aura baissé sa garde. Je veux que tu le butes pour moi. C'est le macro, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec les femmes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux simplement emprunter des documents qui lui appartiennent. C'est un coursier qui travaille en équipe. Il livre les médicaments raffinés contre la malaria à l'entrepôt principal de l'APR. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il connaît l'emplacement de cet entrepôt. Ah! Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est intéressant. Ça te fera un petit détour. Ensuite, tu pourras reprendre ton petit rendez-vous galant avec tes fours. En fait, ça m'aiderait beaucoup tactiquement. J'aurais de bien meilleures chances d'atteindre cet entrepôt si l'APR est distrait. Avec toutes ces fusillades que tu aimes tant. C'est vrai. Je lui accorde ce fait. J'ai l'intention de placer une bombe dans les stocks d'armoise. L'APR va pas seulement perdre sa capacité à raffiner les médicaments, elle va aussi perdre toutes ses réserves. Je vais pas me faire beaucoup d'amis. Je crois que tu vas devoir venir me tirer d'affaire. Le coursier est déjà à l'avant-poste, juste au bout de la rue. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée. Ça te suffit. Moi j'ai plutôt What is Love avec Jim Carrey. Ouais bah oui. Non mais arrive un moment, faut arrêter là. Elle va se dévisser les cervicales là. Oh là là. Ah, si je lève la tête, elle aurait tendance à la lever aussi. La danse d'Hélène peut-être. C'est l'étape suivante, non? Bon bref. Au secours. Aïe 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 aïe. Buggy soft, comme pourrait dire Devil Olive. Alors, d'accord, c'est quelque part par là-bas. Ah bah je suis déjà au taquet au niveau des munitions. Je suis un homme dangereux. Allez go. Ouais, je vais reprendre la route. Alors, ça se passerait par là.
La 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 la. J'ai le culot de couper à travers un champ, ce qui est dangereux, hein, je vous rappelle. Oh oh oh! Non, il y a. J'avais déjà fouillé l'épave. Une exécution sommaire. C'est horrible. C'est horrible. Ah 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 ah! Attendez, attendez, attendez. Je peux sûrement observer quelque chose de là déjà. Alors! Coffre de la Jeep. Si j'arrive à monter sur le. Merci, sur le toit. Alors, merde. Il y a du monde. Il y a un snipe en moins, ça me va très bien. Et j'ai cru entendre un bolide. Ah oui. Je finis, oui. Bon, avec un snipe en moins, ils sont dans la mouise. J'ai déjà oublié ce que m'a demandé la miss. Elle veut que je fasse quoi? Ah oui, un mec au chantage. Découvrir la position des entrepôts, ouais, de Médoc. Et le mec, faut le liquider. Hein. Non, attendez, je vais relire à deux fois les instructions parce que je serai capable. Éliminer le chauffeur du camion. D'accord. Voilà, tiens, tenez. Détail de mission. L'UFLL veut que je détruise le grand four au sommet du village de Gone pour prouver la PR de ses médocs contre la malaria. Nasrin Davar, donc la demoiselle, qui la poupée qui fait non, pense que je devrais voir plus grand. Si je m'occupe du chauffeur qui transporte la poudre traitée, nous pourrions localiser l'endroit où la PR entrepose cette poudre. Eh oui. Donc zigouiller le chauffeur de bus. Quelle horreur. Le livreur. Ouais. Moi. Je vais continuer à pied. C'est pas la peine de se la jouer à la Rambo. Ça servira strictement à rien. Attendez. Y a pas plus de vie que ça, ça m'étonne. Le mec, il serait dans quelle casse-bas? Celle du fond, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je sais pas quoi. C'est pas des noix de cajou. C'est un mystère. Oh, magnifique. J'ai la trousse à pharmacie ici. D'ailleurs, rien ne m'interdit de me soigner. À quoi il joue lui? Oh, il a presque marqué un but. Tiens, c'était là. À l'approche, devant. T'as vu la direction? Ah oui, oui. Ah oui, il y a du monde. Je sais plus. Ah, mon lance-flamme est prêt. Oh, je suis content. Yeah, mon lance-flamme. Ah bah non. Bah. Ah non, d'accord, j'ai mal lu l'interface de mon lance-flamme. J'ai rien dit, chef. Sympa. Bah, où est-il? Ah, il était planqué. Alors là, il se l'est. Bravo.
Il était dans le buisson, j'avais pas vu qu'il était planqué dans ma ligne de mire. Enfin, j'étais surtout dans la sienne. Attends, qui c'est qui m'a donné? Bah, encore une mec. Quelle merde! Aïe! Oh merde! Je me suis pris une balle. Bah. Ah, pas mal. Salopard! Mais comment qu'il a résisté à mon tir, lui? Dommage. Alors là, l'assaut se passe pas très bien, comme ils le disent régulièrement. Ils savent pas où il est. Qui? Où est-il? Pas loin. Il est attaqué. Il garde bien sa trace et on va le ramasser. Mais il y a quelque chose pour rien correctement. Là, ça t'aide là. Ah, avec un peu de chance, là, ça va bien prendre, ça va bien flamber. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont perdu. Merde, on devrait se disperser et le chercher. Pas moyen, on bouge pas, on sait même pas où il est. On est d'accord que je suis... Oui, je suis planqué. Ah, je suis content, ça flambe bien. C'est horrible, acheter un pyromane. Allez, une deuxième. Ah non, il y a de l'herbe sèche partout. Ça devrait être un formidable brasier, excusez-moi. Par là, ils ont lancé une attaque. Contre qui ils se battent? Je crois que c'est du tactique. Mais comment ils font pour me voir, les gars? Merde, c'est paumé. Il est pas loin. Où tu l'as vu la dernière fois? Oh, regarde-le. Par là. Ah oui, ça flambe bien, oui. Tiens-toi à l'écart. Ah. Surveille à 6 heures, on va peut-être nous planquer. Attends, le véhicule. Je vais avoir de la mitraille gratos. Merde, je peux pas faire sauter les planches. Salopard, l'autre qui était en mode Terminator. Bonjour Yukine. Ça tourne au barbecue, ouais. Oh! Oh oh oh! Comment qu'il m'a truciné? Ah là 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 là. Où est parti? Il est quelque part par ici. Vite, il est passé par là. Qui? Où est qui? Ah,
espèce d'abruti. Oh, joli. Oh la vache. Merde, je l'ai paumé. Bon, en général, tout le monde va bien. Merci de poser la question, Yukine, tout le monde va bien. Ouais, bah le mec il a bien giclé. Oh non, j'ai encore de la compagnie. Alors, où je sais pas, mais... Puis l'angle de vue est pas forcément génial. Ah! Par là. Bon, avec un peu de chance, c'est la balle. Ah, c'est lui. Pardon, mais de la manière dont il présente, ça fait plutôt coquin. C'est limite là s'il dit pas. Viens par là, mon chou. Mais c'est quoi cette scène? Mais c'est fou. Mais franchement, non mais bon. Mais Far Cry 2 ce matin, c'est. Oh, je réponds plus de rien. Non mais, regardez-moi cette posture et ce regard. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est non mais c'est vraiment ça, Nash, on va plus aux soirées là, c'est... Wouh. Oh là 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 là. N'importe quoi. Ah bah Emma Jolie, tiens, tu vois, ils sont tellement familiers entre eux. C'est la fille, hein. Super demandé. Et trop bonne. Écoutez, je peux vous arranger. Donnez-moi juste un mot. Eh oui, c'est bien ma cible. Et on est d'accord, il fallait que je la... Oui, le regard de braise. Ah. Non, il faut que j'élimine. C'est horrible, hein. C'est horrible. On n'en parle plus. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a? Si notre ami n'est plus dans nos pattes, je regarderai dans sa sacoche. Continue. Caution. Ah, mon dieu. La, 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 la. C'était totalement gratuit. Oh mince, avec cette ambiance torride, hein. On veut dire que tout peut être interprété en dessous de la ceinture. Ah, ma première victime, le snipe. Eh, pistolet mitrailleur quand même. Hein, pour la courte portée. Pour la courte portée. Ça donne envie de faire du dé... Oh là, la malaria qui fait des siennes. J'ai la vue d'ici la falaise, ça donne envie de faire du... Deltaplane. Moi qui me plaignais de plus avoir de lance-flammes. Voilà, petit jerrycan d'essence, c'est merveilleux. Ah, je passe de E empty, c'est-à-dire vide, à F full plein. Je me sens beaucoup mieux. Ah, je vais pouvoir refaire mon pyromane. Joie. Bon, le village.
encore plus balèze qu'ici, le village qui est superbe, mais alors l'approche va être... Ouais, je prends les médocs contre la malaria là qui fait suer. Hop, je prends ça. Il n'y avait pas de feu de camp, mais ils étaient cuits, ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il n'y a rien là. Hop, il y a... Boum. Allez, je vais aller reprendre le véhicule et puis je vais me barrer. Vache, je veux des grenades, j'ai qu'à me pencher, c'est un truc de fou. Mais comment qu'il a giclé le mec? Qu'est-ce que je vois là-bas? C'est indiqué sur la carte, ça? Oh, j'en ai pas l'impression. On va aller faire un petit tour, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que cette casse-bas isolée là-bas? Ouais, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à récupérer. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça va être un ancien village historique. Il y a dû y avoir un séisme, une inondation, il s'est passé quelque chose. C'est troublant. Attends, il y a une porte. Ah non, c'est juste une munition. C'est pas... Oui, non. Ouais, c'est... Bon, bref. Ouais. Là-bas? Tiens. Il y a suffisamment de flotte pour avoir une embarcation. Ouais, d'anciennes pirogues. Ah ouais. D'accord. Vache. J'ai 100 diamants tout ronds sur moi. C'est fou. Qui aurait cru? Village d'Agon. Ah ouais, mais c'est un point d'eau isolé en fait. C'est un point d'eau isolé. Bon, alors, comment vais-je gérer l'assaut du village d'Agon qui est pas du tout, mais alors pas du tout évident. Mais ouais, mais ils m'ont trucidé. Bon, il va falloir faire une approche beaucoup plus mesurée et prudente. Et... Ça va être violent. Va y avoir des morts. Ça va être violent. Bon, bah, premier but, je vais aller au sommet faire mon snipe. Hein. Parce que si je peux les dégommer à distance,
Y a pas mieux. Hop là. Bonjour tout le monde, je suis le roi de la montagne. Bah oui, je suis peut-être un peu loin là. Ouais non, j'ai l'air ridicule. Je me suis arrêté trop tôt. C'est plutôt à la colline suivante. Là, il y a du monde ou il y a... Attends, on va dire, je suis sûr de rien. Oh, oh, il y a un petit buggy. Le problème du buggy qui se faufile partout, il est pas armé. Donc, pourquoi on a entendu un gémissement? On aurait dit un mec qui cramait dans les flammes. Ok, il y a du monde. C'était quoi ce bordel? Salopard. Il y avait un gars dans la colline. Je réfléchis, hein, pardon. Je peux sembler... Merde. Ah, mon chien là. Alors, c'est le problème d'être au ras du sol. C'est qu'avec la végétation, on distingue plus les obstacles qu'il nous faut face. Et pas cool. Vraiment pas cool. Donc bref. J'ai noyé le buggy. Le buggy a bugué. Je l'ai noyé. Une magnifique cascade. Merci, Bonanza. Ah, mais là, y a rien. C'était un truc perdu, le truc, non? Attendez, on va y aller à la nage. Attends, j'en profite pour boire un coup. Mauvaise approche. Mauvaise approche. Parce que je suis dans le cul-de-sac. Alors que les fours sont... Ouais, il faut traverser tout le village. Je pensais qu'il y avait une fin possible, une entourloupe, mais non, non, non. Mauvaise lecture de la carte de ma part. J'aurais essayé, tant pis, dommage. Thank you.
Voilà. Il a pas l'air con de lui, mais alors pas con du tout. Alors, bon bah on va faire une infiltration. Tu parles d'une infiltration dans le village à pied là. Ça pourrait tourner en scène de guérilla. Le scénario est improbable, ça peut tourner en tout et n'importe quoi. Je fonce là-dedans. Merde! Oh, il y a des bugs de collision. Oh merde. Oh bah elle est bonne celle-là. Ici, j'ai entendu que... Mortier! Intérêt à courir! Gros bordel de chaud! Mais qui sont ces types? Ah, j'ai deux chemins. Oh! Qui l'aurait cru? Putain la vache, la maison presque troglodyte. C'était la casse-bas du chef de village là, c'est pas possible autrement. Parce qu'il est trop bien tranquille à l'ombre. Ah non mais le village a été modélisé de manière magnifique. J'adore. Regardez-moi cette ambiance. Oh bah c'est le mec au mortier. Une attaque de qui? Pas la moindre. Ah oh, le con qui tire au-dessus. Ouais c'est le mec qui tirait les mortiers. Bah, pourquoi il y en a un deuxième? Ça, je te confirme, c'est pas bon. De perdre de vue ton assaillant. Ah ça y est, hein, j'ai ma position de snipe. Hein. Je peux réduire la population locale à zéro. C'est atroce. Un truc qui clignote là-bas, je sais pas ce que c'est. Du matos de guerre, on va l'appeler ça comme ça. C'est moi ou ça bouge là? Non. Non, non, non. Oh! Ils essayent de faire quelque chose. Bah, me planquer est un... Bien grand mot, c'est juste que j'ai une position idéale de sniper. Là, pour faire le tir, c'est... Merde. L'autre cowboy, là, il est en train de m'avoir. T'es pas loin. Reste
te sentir. Tu gardes bien sa trace et on va le ramasser. Il est où, mec? J'ai des poursuivants. Pas où ils sont, mais j'ai des poursuivants. Reste tranquille. Pour prendre l'initiative et le serrer. On sait même pas où il est. Ok, recule. Il a peut-être même qu'il arrive. Oh, on voit la belle cascade. Ils sont sur l'escalier ou... Ah oui. On n'en parle plus. Ils étaient effectivement en train de faire l'assassin. Je le vois. Allons-y. Comment ça, ils me voient? Où sont-ils? Là, par là, quelque part. J'avais cru voir quelque chose par là. Mais... Ah non, c'est pas possible. Bon, je vais reprendre ma position de tir parce qu'il y a le cow-boy qui m'a échappé là, qui faudrait être... Faut que je le cuique là, monsieur le cow-boy. Il était où? Il était là, je crois. Merde. Petit futé de cow-boy de mes deux là. On va aller voir les fours, je crois. À moins que... Il y a un accès par là aussi. Ah merde. Il y a un accès par là aussi. Oh, le village est superbe. C'est bizarre parce que cette scène, vous voyez ce tableau qui est formidablement bien composé, ça me rappelle une scène de jeu vidéo. Je me demande si... Enfin, d'un autre, évidemment. Je me demande si je confonds pas avec... Bonjour, Torota. On va bien dans l'ensemble. Merci, j'espère que toi aussi, Torota. Runaway. Bonjour, Cocosi. Ça me rappelle une scène de Runaway, le point and click aventure, là. Je pense que je vais pouvoir me rendre au niveau des fours et tout faire péter. Le problème, c'est que je vais avoir ma copine mercenaire qui va être en danger de mort, quoi. Donc, une fois que j'ai pété les fours, il faudra que je cours hors du village, prendre une bagnole, je sais pas quoi, et me barrer. C'est ça, les fours, vous voyez? Avec les bouteilles de propane et tout ce que vous voulez. Et d'accord qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de diamant, il n'y a rien. Oh là 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 là. Des belles poteries. Bon, bah, ça va être sport. Grenade. Et je me barre. Ouais, attention au souffle de l'explosion. Allez, dis-moi tout. C'est encore moi. J'ai trouvé le site des stocks. Sous terre, dans les ruines de Gon. Rejoins-moi quand tu peux. Ok. Allez. Prie pour que je trouve un véhicule, surtout à la sortie du village. Ah! J'ai mon véhicule. Vite! Accélère! Barre-toi très très vite! En espérant qu'ils aient pas d'autres véhicules. J'ai des poursuivants ou pas? Apparemment non. Ils
Ils étaient à poil. Alors attends, c'est où qu'elle m'a invité? Merde, j'ai pris la direction opposée. Ah, chiotte. Je vais pas pouvoir passer avec le véhicule, là. Ouais, on va y aller en navire. Allez, tant pis. Merde. Oh, puis ce foutoir sur les quais, c'est pas croyable. Ouais, ça va bien. Moi, je vais bien, hein. Merci, hein, les copains. Je me... en pleine forme. Bonne humeur, tout, la totale. Ouais, je veux pas que tu es sur la le fleuve. Ah bah, merci. Merde. Oh, bordel. Je suis tout pété, je suis dégoûté. Parce que mon arme s'est enrayée. J'avais une livraison de véhicule magnifique qui m'était offerte. Dégoûté. Alors je rappelle que le... Alors que ça fait réaliste, hein. Le coup des armes qui s'enrayent, ils ont arrêté tout de suite. C'était une idée propre aux deux. Et ils n'ont pas remis dans le 3 parce qu'en fait la communauté de joueurs avait râlé en disant c'est trop frustrant. Mais en même temps, c'est... Faut reconnaître que ça fait réaliste. Alors attends, le quai il était par là-bas. Il était en contrebas par ici, c'était ça je crois. Ouais, là-bas. C'était là. C'est reparti pour un tour. Déjà ? Qui c'est qui m'a tiré dessus ? Ah lui ! Eh ben voilà. Oh merde. Et merde. Oh. On est mort. Ou pas. Ah si. Merde. Je suis mort en étant assommé par le bateau qui m'est retombé sur la tête. C'est pas mal. C'est original comme mort. Lequel des deux va arriver plus vite? Gauche ou droite? Merci pour la livraison de mon véhicule, c'est apprécié.
Il y a l'autre hein, qui va essayer de me... Ah bah. Je comprends mieux. D'accord. Bah alors, je suis plus en droit de le pousser là. Ouais, bon, bref. J'ai réquisitionné toucher couler, ouais, c'est ça, Christella. Oh, la tête des mecs quand je quand vous arrivez à les dégommer au fusil de précision. Eh ben c'est pas la porte d'à côté là, j'ai encore de la route à faire. Oh merde, Oum! Mais qui c'est qui m'allume? D'où il sort le... Incroyable! Attends, sur la route il y a du monde ou... Vous allez voir que je vais faire face à face avec une patrouille de... Une patrouille mobile de mes deux là. Là. Salopard, j'ai entendu comme un tir de mortier. Alors, c'est le bordel. Merde. Ah, évidemment, allez, défaillance du flingue. Oula. Oh là, il y en a du monde. Ah, mission terminée. Ou pas. Merde, allez vite, une grenade. J'aime beaucoup le gros calibre sur le véhicule. Merde, le véhicule prend feu. Bon bah tant pis. Oh merde. Alors mission terminée. J'espère que ma coéquipière est en vie. Oh là, bah, j'ai plus de munitions. J'avais 30 balles de sniper, j'en ai 0. Maintenant c'est nada. Pardon, il faut que je lise ce que vous m'écrivez dans le chat. Je suis à fond dans l'histoire là. Ouais, il fait chaud. Non, mais c'est fou. Ouais, le direct de demain pourrait être annulé. Ouais, du côté de Christella. Ah, puis c'est pas dit que je puisse le voir. Parce que demain, j'ai rendez-vous dans l'après-midi. Donc, je sais pas à quelle heure j'entrerai demain, mais... Ah oui, merde. Le véhicule va péter. Il y a un truc qui a pris feu dans le bloc moteur.
Pidu. Ah ouais. Tu vas pouvoir assurer ton direct. Bon bah cool. Oh la vache. Bon, tout le monde est vivant. Trouver quelqu'un qui peut me fournir des médocs. Ah, tu m'étonnes que ce serait bien, ouais. Pardon. Quelqu'un qui me fournisse des médocs. Ah! Ah ah ah, alors une mission annexe qui est intéressante, mais qui est, waouh, à Petaouchnok, à Perpetlisware. Chercher des médocs, la foutue malaria. En espérant que dans le village, ils aient une boîte de mun qui est pas flambée. Oh, les carcasses de véhicules, mais regardez-moi ça. Tous retournés comme des crêpes. Ça c'est cool, c'est un bon dédommagement. J'ai bon espoir qu'il y ait une grosse boîte de munitions, mais où? Oh, il y a un petit buggy. Il y a le petit buggy de la vie. C'est ça qui est beau. Ah. Explosif. Une trousse de pharmacie. J'ai leur popote avec ça. Quoi. Ouais. Mieux qu'à rien, mais... On est d'accord qu'il n'y avait pas de diamant ici. Hein. Enfin, du moins, il n'y en a plus. Bon, alors... Alors ça va... Ouais, pas évident, là. Ah, oh, il y a même des missions mercenaires qui me seraient proposées. Ah, il reste encore des missions secondaires. Tu vois, Nash... Le jeu me fait mentir. Bon bah tant mieux. Tant mieux. C'est du haut de plaisir. Je vais tenter quelque chose de risqué, c'est-à-dire de lorgner les bords extrêmes de la carte. En espérant que le jeu ne me mette pas en mort subite pour... le soleil dans le désert là. Est-ce que je peux trichoter et faire un saut de puce d'un bout et l'autre de la carte? Ce serait bien. Ah eh, mais non mais seulement j'ai le droit, mais il y a un truc. Non, vous êtes sérieux les gens? Ah, j'ai le choix de la couleur maintenant. Non, sérieux? Oh, j'ai scandalous, un joli caillou. J'en suis à 103 diamants. Putain, mais qu'est-ce que je vais acheter? Moi, la prochaine fois que je vais aller à l'armurerie, je vais acheter tout le catalogue. Pardon, j'en suis trouvé. C'est un animal, je crois. Ah, c'est un... des bisons. D'accord, je préfère ça. Je voulais aller par... par là. Si je peux. Formation rocheuse de mes deux.
je pense que les concepteurs de la carte ont prévu le coup pour m'interdire de passer d'une région à l'autre, ils doivent emmener. Merde, boum. Vous allez voir qu'ils vont me mettre en mort instantanée. Déshydratation dans le désert. Ouais, je peux pas passer par là. T'es dans le désert. Oh, longtemps. Oh, oh, oh. J'ai pas assez de puissance moteur pour forcer la... le mur, en fait. Attendez, j'essaie de forcer la dune. Ouais, non, il veut pas. Il me dit qu'il fait chaud et que je suis en train de crever. Ah, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ce que je craignais. Pour lui, je suis mort. Enfin, pour le jeu, je suis mort. À cause de la sécheresse. Il veut pas que je... Putain, on les voit bien. C'est beau. C'est superbe. Magnifique. Ushuaïa nature. Ah, c'est dégueulasse. Ah, bon, bah on va faire des kilomètres et des kilomètres avec l'autre buggy, là. Ouais. Le buggy qui est au moins aux couleurs du désert. Celui-là, il a le mérite, là. Ah, merde. Là. Bien joué de la part des concepteurs. Ça, c'est une zone de sauvegarde. Oh là là, l'idée de tout leur tapis, ça m'enchante guère. Ça m'enchante guère. Je vais forcément croiser du monde, forcément. Allez, je suis déjà la cible d'un snipe ou de je sais pas quoi. Non, je suis pas dans la... Oh là là, je suis dans la mouise. Ils sont deux contre moi, tout va bien. L'autre, il s'est planté dans le village. Encore plus drôle. Oh oh. J'ai perdu un pare-choc. Je fais, je me barre par où, moi. Non, je me barre par là. Oh merde. Il y a un peu trop de patrouille là. Wouh. Oh, mon moteur a cramé. Bah alors. J'ai plus de véhicule, mais c'est drôle. Et j'ai du bol que le souffle de l'explosion m'ait pas tué. Mais c'est drôle. Bon, bah je vais continuer à pied avec leurs âneries. Encore que, il y a une casse-bas de sauvegarde toute proche. Ah, c'est là où j'avais débarqué avec le navire, vous vous souvenez, il y a quelques minutes. Ah. Ça fait plaisir. Avec un peu de chance, il y a même des mines dedans, non? Mais oui! Parfait! Je ne pouvais pas rêver mieux. Ouais, en même temps, il n'y a pas 50 routes, alors... Autant que je garde les yeux grands ouverts au niveau du pare-brise. Mmh.
Attendez, j'ai pas étudié la voie maritime. J'ai pas étudié la voie maritime qui s'avère fort intéressante. Attendez, on va y aller en embarcation. Merci, exactement. Tant pis, oula. Oulala, là là, on va pas te noyer. C'est vrai que les voies fluviales sont vachement intéressantes dans le jeu. Enfin, si on peut les exploiter. Il va monter sur le navire. On y arrive, courage. Alors, les fleuves. Alors, il faut que j'aille par là-bas. Ok. Ouais, si je pouvais avoir un plan plus serré au niveau de la géographie des lieux, ça m'arrangerait. Merci. Alors, je me barre là-bas. Voilà. Bonjour, Olive qui tue. J'espère que tu vas bien. Ils vont m'abattre, ces idiots. En plus de flinguer mon moteur. Alors, pour info, Olive qui tue, je ferai très probablement du Arx Fatalis dans la journée. Hein. J'ai très envie de faire du Arx Fatalis, Olive qui tue, mais je sais pas encore à quelle heure. Bonjour, FanFan. Ouais, non, Arx Fatalis, tu te souviens, j'étais arrivé dans le camp des rebelles, là. J'étais encore surpris par le scénario. Encore un énième rebondissement. Je sais pas, je vais peut-être y jouer après Far Cry 2 à Arx Fatalis, je sais pas. Peut-être durant la pause des... On va voir, j'ai envie de faire plein de trucs. Stardew Valley aussi, j'aimerais leur prendre un petit peu aujourd'hui. Jouer pendant 1h30, 2h. Ah, mais ils vont me buter. Il me reste plus que 2 barres de vie sur 5. Ah, ils sont terribles, hein. Hop, il faut que je répare le moteur. Allez hop, la totale. Je me soigne, je répare le moteur. Finalement, après, je vais pouvoir repartir. Ah, la misère. Oh, mais non, ce tronc à la CON qui m'empêche de me relancer. Alors, la carte. L'asile de Malaria est tout proche. Merde, je m'arrête au niveau d'un quai de snipe. Attends, je vais aller m'écraser là parce que sinon le gars il va me dégommer. Voilà, merci. Nous sommes à quai. Boyoul. C'est drôle. Moins là. Oula. Merde. Allez, décoince-toi. Plus de snipe de mes deux. Et là, on va les faire suer. Bref. Ah non, il n'y a pas. Il m'a eu. Oh, brochet 6 alpins de 5 kilos. GG.
do. Alors, j'avais dit quoi? J'avais dit il y avait le snipe. Ah oui. Bah attends, je peux pas le saucer là carrément. Au moins ce sera fait. C'est bon, je suis parvenu à l'abattre. Il est quelque part par ici. J'aurais bien foutu le feu. Oh! Bon, bah. Hein? Coucou, je suis là! Quick. Aïe, 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 aïe. Mauvaise stratégie. Ils sont 5. Il faut que je repense mon assaut. Je m'attendais pas à autant de monde dans le village. J'adorerais les avoir par cuisson lente. C'est-à-dire la technique du pyromane. Ce serait juste sans sas. Il est pas loin. Je peux presque le sentir. Là, ça vient de là. Ils savent pas où il est. On peut rien faire ici. Quelle merde. Évidemment. Défaillance, qu'on sait intense. Contre qui ils se battent? Je crois que j'ai vu 4 types. Voilà ce que je viens de faire. Putain, mais c'est fou! Où il est parti? Il est quelque part par ici. Vite! Il est passé par là! Bon, en fait, ils vont tous être en dessous de la casse-bas de snipe. En fait, je vais l'avoir sous, les avoir sous mes pieds. Ils savent pas où il est. Ah, il faut sa forme aussi. Il n'y a qu'à attaquer. Il pourrait être n'importe où. Ouais. Génial. C'est ça. Alors, il y a un peu de brousse. Fais gaffe, il est toujours dans le coin. Allez, on s'éloigne de ces plaques. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Merde, ça prend pas. Ah oui, ça flambe bien. Finalement, je vais peut-être réparer leur véhicule et me barrer avec. Le scénario prend une tournure plaisante. D'accord. Ah bah tiens, le véhicule là, il est très bien. Il est là.
arrêter la déconnade. Hein. Je sais que c'est un fils de snipe, mais... Bon, bah merde, je vais aller dans le 1, voir s'il y a des munitions, parce que... Comme je viens de tirer comme un dératé, là, du coup... Oh, les casse-bonbons! Les casse-bonbons... Ouais, là, j'ai la pharmacie géante, mais... Fais l'œuf et la poule, j'ai envie de dire. Pas de mune. Bon bah le calme est revenu. Alors elle est où la casse-bas des médocs? Elle est pas loin. Elle est pas loin. Le gars est pas ici. Voilà. Prochaine à droite, c'est la bonne. Par ici, ça se passe. Arrivée un peu brutale. Ah! Gros nettoyage de Todd. Bah, bon courage pour ton nettoyage, Olive. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas mal à faire, que je ferai paisiblement en semaine. De nettoyage. Ah, les dieux. Ils préparent leurs bagages et font leur statut ce soir. Ah, bon courage pour le nettoyage. Bienvenue. Je le savais. Nous n'avons plus de médicaments. Mais je peux t'aider. Je vais t'envoyer voir un ami. Un marchand de tabac sur la rive est du lac Segolo. Il y a un de nos associés là-bas. Il t'aidera. Mais pas gratuitement. Un échange de bons procédés, quoi. Apporte-lui ses passeports et il te donnera tes médicaments. Tout se négocie dans la vie, non? Cet endroit est à feu et à sang depuis quelques jours. Sois prudent. Alors, les médocs, les médocs, les médocs. Ça vaudrait pas le coup d'y aller en bus, ou est-ce que je reprends la direction du fleuve? Ce serait tellement plus facile d'y aller en fleuve. Tu parles d'assurance. Qui peut essayer de souscrire une assurance en temps de guerre? Franchement. Vous êtes sérieux les gens? Oh! Incroyable. Je m'attendais pas à ce que... Je suis aux anges là. Magnifique. Et c'est reparti pour une promenade fluviale. Deuxième service. Ils m'ont buté. Ah. Bah heureusement que j'ai sauvegardé deux secondes avant mon arrivée dans la zone dangereuse. Plus comme si j'avais l'habitude de la carte. Il m'a fait bugger.
Allez, je vais essayer de rapidement vraiment d'avoir les médocs contre la malaria et après je vais peut-être faire du Stardew Valley et c'est en début d'après-midi, une fois que je me serai restauré à la pause déjeuner, que je ferai du Arc Fatalis. On a dit Arc Fatalis, je le ferai plutôt à 14h. Ça va se passer comme ça. Pourquoi je vois plus mon chat, moi? Ouais, mais moi, le chat, le PC. Il est fou, ça. Dreamer, dreamer. Pa-pa-la-pa-la-pa-la. Bon, et ben ça craint du boudin. Il va falloir que je me couche dans le... Quoi? Salopard. Trois loustiques surarmés, bien équipés, qui m'ont allumé. D'ailleurs, je vais peut-être faire une escale pour prendre des munitions là parce que ils ont un tel sens de l'accueil que ça mérite une petite taxation improvisée. Pas comme si on était en temps de guerre. Ouais, ouais, ouais. Qui c'est qui a de la munition là? Message de Yo-Yo Jospin, 11. Je voulais vous dire que je n'ai pas réussi à avoir des records mondiaux. Dans Marbles on Stream, j'ai pris la décision de me retirer de la vie de Twitch. Excellent. Excellent. L'allusion au discours de Lionel Jospin qui se retire. Non, excellent. Bien joué, Fun Fan. Elle est bien bonne. Il y a un acoustique. Bon bah... Eh oh! Il est censé mourir à Kedan, hein. Il est censé péter le feu là, mais dans le mauvais sens du terme. Non, mais l'autre qui continue en mode Terminator tranquille comme si de rien n'était. Je l'avais largement allumé. C'est fou. Ah, allez, petite trousse de soins, réquisition, gna gna gna. Bon, ouais, alors explosif, d'accord. Mais j'aurais aimé avoir des balles de snipe et finalement ils ont pas le matos. Ça, c'est des explosifs, c'est pas des balles classiques. Mais bien fait pour leur tronche, ils avaient qu'à pas m'allumer là, les salopards. Alors, je vais reprendre leur navire et me barrer à mon tour. Oh, il y a du poiscaille. Il y a du poisson. C'est ça que c'est bon. Alors, vite, les médocs. Et...
Ah, lila, la, la, la. Joie de la navigation fluviale. Il faut que j'aille où? Il faut que. Ouais, je peux tomber autour de nous comme ça. Puis j'ai roqué. Va falloir débarquer. Va falloir débarquer, messieurs dames. J'ai chargé de l'âme. Oh, le brouillard s'est dissipé. C'est fou ça. C'est un microclimat. Ah, il y a même quelque chose à récupérer, dis donc. Attendez. Ah oui, la souche d'arbre là-bas. Oh la vache. Allez, encore un caillou. Bon, je rejoins la casse-bas à la nage. L'eau est dégueulasse. C'est une blague. Bug de collision, hein, on l'a vu. Hein. Le mec, j'avais dans le viseur, il s'est rien passé. Ouais, bah là, je suis dans la merde. Là, je suis dans la belle mouise. Ça va, je vois que t'es relancé dans Elden Ring. Je vois que t'as la motivation qui est revenue. C'est cool, c'est bien. Ça va déchirer. Oh là là, je me mets. Avec les 12 sticks, je vais y aller au lance-flamme là, c'est pas possible. Bah c'est tout cuit. C'est bon, ils sont morts. Bon. Ah bah dis donc. Oh les cases bonbons. Quelque chose sur le quai. Pourquoi ça flambe ça? Ah, c'est le quai qui a. D'accord, ok. On est bordé avec les cages, je sais pas quoi. Tout est la flotte, allez hop, boum. Terminé. A plus de marchandises. Oh. Sabotage! Pollution des eaux! Je suis un monstre! Oh, même le bidon. Oh, vas-y. Oh! On pollue les quais. Ah, les rives et tout ce que vous voulez. Je suis un monstre. Bon, bref.
Ouais, ça se passe mieux qu'avant. Bon bah c'est bien les roosters, c'est cool. C'est bing. Bon allez, je récupère les médocs contre la malaria et puis on va faire du Stardew Valley. Ça va être une toute autre ambiance. J'ai vu, très impressionnant. Ah, tu es venu avec les papiers, formidable. Apporte-les à l'arrière, ils ont tes pilules. Ok, merci. Avancez, vous êtes malade, il faut prendre des médicaments. Vous avez quelque chose pour nous, n'est-ce pas? Nous nous sommes sauvés la vie mutuellement. Je serai digne de ce présent. Tranquille l'hôte, des cigares. La belle vie, mec. Merci. Au plaisir. Alors. Ah, la prochaine fois, mission mercenaire. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Allez, je vais sauvegarder. On va filer sur du Stardew Valley. Si mon clavier veut bien... Bah, qu'est-ce que c'est que ce... Attendez, j'ai un bins de cap qui était pas prévu. Je pouvais plus tirer mon clavier vers mes genoux, là. Bref. Voilà, je rebranche le clavier auxiliaire de jeu. Oh mon dieu, cette scène. Alors, sauvegarder... oui, j'avais fait deux sauvegardes de fou furieux, donc j'en ai écrasé une. Ouais. Pardon. Un rototo monstrueux de mon café au lait.